Zéro pitié pour les ennemis. Élaborer de nouvelles attaques. Renforcer les soldats. Tout est folie. Le brigand est pour abattre. Il faut bonjour Jade, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce projet Poésie numérique? Alors, nous, on est une classe de 28 élèves de 3e et on travaille donc sur la poésie numérique. Donc, on a pris des poésies en rapport avec la Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, pardon. Et à partir de ces textes, on a travaillé dessus en utilisant différentes techniques. Est-ce que ça t'a donné un goût un peu plus prononcé pour la poésie? Oui, parce qu'on s'est rendu compte à peu près tous qu'il n'y a pas que la poésie mais qu'on doit travailler sur des choses originales avec les technologies de tous les jours, sur des poésies de grands auteurs. C'est une nouvelle poésie, c'est plus la même poésie qu'à l'écrit. Les règles avec les Alexandrins, tout le reste, ils n'y sont plus. Est-ce que ça fait une poésie plus intéressante, plus vivante ou finalement Moi, je trouve que c'est pareil. Mais je trouve que c'est une poésie froide quand même, des fois, sur Azerty. Avec même si elle a des fonds de couleur, je trouve que ça fait des froids par rapport à l'écrit. Mais ça dépend du texte, comment on dit. Et là, tu as des mots qui sont. Mais ça sert à rien pour que ça soit quelque chose avant que tu l'écrives. Mais oui, faut que tu l'écrives. Tu veux manger du pain? Ça, c'est mon poème. Tu ne bouges pas. Là, c'est le poème original. Et là, c'est le poème original. Tout à coup, au moment où le hussard baissé se penchait vers lui, l'homme, une espèce de mort, saisit un pistolet qui l'étreignit encore et vise au front mon père en criant « Caramba ! Caramba ! Caramba ! » Le coup passa si près que le chapeau tomba et que le cheval fit un écart en arrière. Donne-lui tout de même à boire. Et dit, mon père. Il entend le bruit des balles s'écrasant contre la terre. Odeur de métal chauffé. Pourquoi tant de haine? Qu'est-ce qui leur arrive? Sûrement la haine de la guerre. Désolé, et ça n'en vaut pas la peine. Au cœur de la bataille, Zeb, dont le roulement sourd emplissait nos forêts, entendrèrent l'alboche, râlant, brisé, livide et mort plus qu'à moitié. Tranquille, il a deux trous rouges au côté droit. Y a-t-il encore des jours et des nuits? Donc on a fait une apostiche avec les lettres du clavier, donc AZERTY, etc. On va lire la poésie et pendant ce temps, les élèves vont afficher avec une feuille par exemple, comme ça, avec une feuille des lettres par laquelle notre poésie, notre vers commence. Attendez, au niveau de la lecture, comment ça se passe? Voyez-moi, on lit. Vous vous mettez où? Dans le champ de la caméra, hors champ? Non, non, non. Hors champ? Ouais, c'est mieux. Hors champ, on peut. Parce que sinon, circuler entre les deux, c'est pas possible. Moi, je fais ça. Moi je fais le M. Ou sinon on a tout. En fait, il y a deux fenêtres en bas. Et il y a alors il faut repartir. D'accord, je m'en occupe. Même si on l'a dit pas, on peut mettre le M. Est-ce qu'on peut arrêter de là? Acrostiche du cœur. A. Au cœur de la bataille, Zèle dont le roulement sourd emplissait les forêts, E. Entendrèrent l'âne boche, R. Râlant, brisé, livide et mort plus qu'à moitié. T. Tranquille, il a deux trous rouges au côté droit. Y. Y a-t-il encore des jours et des nuits? U. Les jeunes hommes, tous. I. Ils étaient jeunes et fiers. O. O, nuit. Ô nuit éblouissante. P.
Petite dans la paix, énorme par la guerre. Q. Qui est la mère de la civilisation. S. Sous le feu des canons. Inconscient de la grève. Azertium. Obéissance non respectée. Comme la peine de mort accordée. Puis donc, quelle que soit les personnes, la farce de la langue et yoga. Souffrir pour ça, dans l'urgence qui t'amorose, elle est gaffe. Missionner lamentablement. Faire la guerre pour la victoire. De plus, les gagner la bataille. Kayak tous. Habiter les tranchées. Jamais perdre espoir.